vacances. Attends, mais c'est quoi ça sur la tête? Comment ça pour partir en vacances? On n'a pas encore acheté nos affaires. Mais si, j'ai fait des achats PMU, je vais te montrer ça. Tiens. Oh. Bon alors on commence le petit haul avec ce parapluie de tête, c'est trop bien. Ça franchement quand vous êtes au soleil, que vous portez votre enfant, ou même je dis vous êtes au soleil, parce que moi je compte l'utiliser au soleil, mais imaginez il pleut de fou, vous avez fait un brushing de malade, vous mettez ça sur votre tête. Alors j'ai testé ce parapluie, c'est un des pires parapluies de l'histoire des parapluies. Avant d'avoir acheté ce parapluie et de l'avoir essayé sous la pluie, je savais même pas qu'un parapluie pouvait être nul. Mais lui, c'est le parapluie le plus nul. En clair, si t'es sous la pluie avec ce parapluie, il y a juste ta tête qui est protégée. Le reste de ton corps, il mange l'eau, il mange la pluie d'une force. Et en fait, je me disais, avant d'avoir testé ce parapluie, je me disais, mais c'est trop stylé ce truc. Genre, c'est un design trop stylé, t'as pas besoin de le tenir dans la main. Tu le laisses sur ta tête, ça couvre ton corps, ça te protège de la pluie. Mais il y a une raison pour laquelle ce design de parapluie n'est pas utilisé dans le monde entier, n'est pas propagé. C'est parce que, en fait, il est nul, il couvre rien. En fait, elle dit par exemple, c'est pour se protéger du soleil, moi je te dis, prends une casquette, c'est mieux. T'auras moins l'air d'un con qu'avec ce truc. Bref, ce parapluie est trop nul, je sais pas si vous l'avez testé, dites-moi en commentaire.